Sont en alerte aux orages et aux averses de grêle, et cela dès 15h ce samedi. C'est une grande partie du sud-ouest du pays qui pourrait être touchée. On va partir vers Moissac, retrouver Isabelle de Lyon. Isabelle, prudence donc pour les prochaines heures. Absolument, Laurent. À Moissac, pour l'instant, nous sommes encore sous le soleil, mais depuis ce matin, nous voyons le ciel se couvrir de plus en plus. Les orages devraient commencer cet après-midi. Ils pourraient être violents par endroits, accompagnés de fortes chutes de grêle et d'un épisode électrique intense. Donc attention aux impacts de foudre. 11 départements sont concernés, des Pyrénées-Atlantiques en remontant vers la Dordogne et la Corrèze. Et parmi ces départements, le Tarn-et-Garonne, avec beaucoup de producteurs de fruits que nous avons rencontrés ce matin. Ils sont inquiets pour le raisin, pour les cerises, les pommes, les prunes. Beaucoup ont recouvert déjà leurs vergers de filets de protection, mais ces filets ne tiendront contre la grêle qu'à condition que le vent ne l'emporte pas tout. Et nous verrons cet après-midi ce qu'il en est. Merci à Isabelle et à ce soir. Notre rendez-vous, je donne, consacré à ceux qui donnent